Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing partenariat avec le site Cobeads. Donc Cobeads qui est un site de base de perles, mais vous allez y retrouver vraiment énormément de choses, énormément de choix. J'ai eu un petit peu de mal à choisir, surtout à m'y retrouver parce que on a des perles, on a de la résine, on a un petit peu de diamond painting, on a des tampons de cire, du scrapbooking, on a toutes sortes de matériaux, des pinces, enfin vraiment on a de tout. J'ai même vu des rubans, des aiguilles, du fil pour le point de croix, enfin j'ai vu pas mal de choses, mais c'est principalement un site de perles, voilà. Donc le partenariat a été fait avec eux le 22 novembre et je l'ai reçu aujourd'hui le 2 décembre, donc 10 jours, c'est plutôt rapide. J'ai eu un budget de 35$ et la dernière chose que je voulais vous dire avant qu'on ouvre ce colis, c'est attention, les frais sur ce site, je les ai trouvés quand même plutôt élevés. Alors peut-être que ça vaut le coup si on prend tout ce qui est perles par exemple parce que c'est léger, mais il me semble qu'ils sont calculés par rapport au poids. Et après ça vaut peut-être plus le coup aussi si on prend un plus gros colis que moi. Ici il y a eu deux articles parce qu'en fait j'ai dû compter les frais dans mon budget en fait. Voilà, donc attention aux frais. J'ai un code de réduction de 3% pour vous. Je vais vous l'afficher juste ici sur la vidéo et dans la description. CE19173078. Pas très simple, mais je vous écris tout, ne vous inquiétez pas. Je vous mettrai aussi le lien des deux articles que je vais vous présenter ici. La dernière chose que je peux vous dire, c'est que pour 199$, vous avez 22$ de réduction. Après, c'est des montants plutôt élevés, hein. Souvent, on n'achète pas pour ce prix-là. Mais bon, je vous le dis quand même. Et pour 299$, on a 35$ de 35$ offerts, on va dire. Il y a aussi des réductions sur les perles de rocaille, 40%. J'ai vu 60% sur les tampons, sur la résine. Enfin, il y a régulièrement des réductions sur le site. Je vous conseille d'aller faire un tour. Si vous aimez les activités manuelles, je pense que vous allez trouver votre bonheur, c'est sûr. Voilà. Alors. Donc, c'est enveloppé dans un papier bulle. J'ai oublié mes ciseaux. Une petite minute. Voilà. Alors, je filme, c'est pas génial. Hein. Je suis sur ma machine à laver qui a cassé. Enfin, en vrai, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une toute petite machine à laver qu'on a maintenant. Donc, pas évident pour filmer. Mais vous inquiétez pas, ça va bientôt aller mieux. J'aurai plus de choix de place, on va dire, pour filmer dans ma maison. Hop! Alors. Alors, je vous dis tout de suite que les deux articles, petite vidéo qui n'était pas prévue, que je vais donc inclure dans la grande vidéo, je vais vous la mettre dès le départ. Vous allez comprendre pourquoi. Tout le long de la vidéo, je pense qu'il y a une erreur. Parce que j'ai reçu deux fois le sac et deux fois l'autre article. Donc, je pense que Cobeads s'est trompé et m'a mis deux fois l'article au lieu d'un. Mais en fait, non, ce n'est pas une erreur. En allant revoir sur le site, c'est bien écrit sur le site qu'il y a deux articles. Voilà, donc ça vaut vraiment le coup parce que du coup, on a deux sacs pour 11,26€ et deux aspirateurs pour 7,26€, aspirateurs à diamants. Vous allez voir tout ça dans la vidéo, mais du coup, ne faites pas attention. Je suis surprise tout le long de la vidéo parce que je pense que Cobeads s'est trompé. Je pense qu'ils m'ont envoyé deux articles au lieu de un. Donc, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une erreur, c'est bien écrit sur le site, c'est une manque d'attention de ma part. Allez, c'est parti, on poursuit la vidéo. Ça concerne le diamond painting. Alors, eh ben écoutez, je fais attention parce qu'il y a peut-être des informations, mais non. Alors, on reçoit avec, justement, les articles qu'on choisit, une facture en fait, pas vraiment une facture parce qu'il n'y a pas les prix. Mais voilà, les produits, la liste des produits qu'on a choisi. Donc ça, c'est pas mal. Si on fait une grosse commande, parce que si on fait plein de une commande avec plein de sortes de perles, parce qu'à la base, c'est un site de perles,
on s'y retrouve, quoi. Ah, il y a un truc que je comprends pas trop là, attendez. Ah ouais, deux. Parce qu'en fait là, donc ce sont des sacs à diamanter. Je vous dis tout de suite le prix avant qu'on oublie. 11,26 €. Mais en fait, pardon, j'étais hors caméra. En fait, je m'aperçois qu'il n'y a pas un sac, mais deux. Et ce sont les deux mêmes. C'est drôle, ça. Et en fait, c'est pas une erreur, parce que regardez, c'est écrit quantité de 7. Alors, je sais pas. C'est pas comme si j'aurais cliqué sur l'article et que je l'aurais mis deux fois dans mon panier. Bah, ça aurait été écrit numéro 1 et numéro 2, mais là, non, c'est numéro 1 de 7. Alors, c'est marrant de faire deux fois le même sac. Je suis un peu surprise. Bon, écoutez, on va ouvrir ça. Bon, tout est très bien emballé, hein. Pardon pour les bruits de sac. Hop. On va mettre le deuxième de côté. Alors. C'est curieux. C'est la première fois que ça m'arrive. Je sais que des fois, il y a des lots de sacs, mais c'est pas les mêmes modèles. Là, ce sont les mêmes modèles. D'accord. Excusez-moi, depuis tout à l'heure, je suis hors champ. Bah alors, Mallory. Alors, on a un tout kit de base avec. Donc, avec le pain de cire, la barquette et le petit stylet. Et on a, bien évidemment, notre chaînette. Elle est très grande. En fait, c'est un sac qu'on peut sûrement, ouais, qu'on peut accrocher à l'épaule. Je ne peux même pas vous la faire voir en entière. Et en plus, elle est pliée en deux, hein. Mais elle est vraiment très grande. Donc, ça viendra bien évidemment s'accrocher de chaque côté du sac. Ouais, voilà, c'est ici. Et on a aussi nos diamants. Je suis surprise. Deux sacs. Eh bien, écoutez, d'habitude, ce genre d'article, ça vaut... Là, c'est 11,26 €. D'habitude, ce genre d'article, c'est entre 8 et 10 €. Mais du coup, là, on en a deux. Donc, ça vaut vraiment le coup, je trouve. 11 € pour deux sacs à diamanter, c'est vraiment pas mal. Alors, regardez les diamants. On a des diamants spéciaux. Oh, c'est la première fois que j'ai des gouttes comme ça en orange. Elles sont trop belles. Il y a un gros déchet, là. On dirait les pâtes tortillies. Je sais pas comment ça s'appelle. On a des diamants aussi bleu turquoise. Encore de l'orange. Alors, je saurais pas vous dire la couleur. C'est un marron clair, je dirais. Et puis, on a des diamants normaux. Ainsi que des sphères un petit peu plus grosses que les normaux. Et de belles sphères bleues. Voilà. Alors écoutez, je rangerai tout ça à côté. Je rangerai tout ça après. Oui, ça colle très bien. Alors regardez un petit peu avec moi ce qu'il y a à diamanter. Alors. Donc, on a la fleur ici au milieu. Et puis on a toutes les fleurs au milieu ici avec des diamants spéciaux. On a quand même pas mal à diamanter. Je pense que le résultat va être sympa. C'était le seul modèle de sac qu'il y avait sur le site. Mais j'ai bien aimé. Mais par contre, je vous assure, je suis surprise d'avoir deux sacs. Donc le deuxième du coup est pareil. Je vais juste regarder si on a bien tout à l'intérieur. Bah écoutez, oui. Eh bah dis donc, ça serait pourquoi pas un cadeau à offrir à Noël. Parce que bon, avoir les deux sacs pareils, j'en vois pas trop l'utilité à vrai dire. Je pense qu'ils auraient dû mettre deux modèles différents. Je suis un petit peu frustrée. Mais c'est pas grave, le sac est très beau. Les sacs sont très beaux du coup. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça de côté. Et puis je rangerai dans mon coin. Et de toute façon, ce sac, j'ai prévu de le faire plutôt rapidement avec vous. Dans le courant du mois de décembre, je pense. Oh bah écoutez, c'est pas possible, il y a dû avoir une erreur là.
Bah oui, il y a du. Je vous jure, je suis en train de bader. Ça, c'est un aspirateur à DP. Il y en a deux. Je comprends pas là. Je regarde un peu le prix. Ouais, 7,26 €. Bah écoutez. Est-ce que vous voulez un aspirateur Diamond Painting à gagner en concours? Bah, je crois que je vais faire ça, franchement. Bah oui, c'est écrit 2 aussi ici. Bah alors là, voilà la meilleure. Bah, je vais pas me plaindre, hein. Il vaut mieux en recevoir plus que pas assez. Mais je sais pas, ça doit être une erreur de leur part, hein, je pense. Ouais, il a dû avoir une erreur ou. Je comprends pas, je vous assure. Bon, c'est pas grave. Je vais vous présenter. Alors, je n'avais pas encore d'aspirateur à Diamond Painting. C'est pas un article indispensable pour le DP, clairement qu'on se le dise. Mais je me suis dit que j'aimerais bien tester et vous faire une petite vidéo test. Ça m'a toujours un petit peu attiré. J'ai toujours voulu essayer, voir ce que ça donne. On va pas essayer ça en vidéo. Je vous referai une autre petite vidéo rapide, hein, de 5 minutes à peu près, quoi. Mais pour, on mettra les piles ensemble et puis on fera aller ce petit aspirateur pour voir un petit peu ses compétences. Voilà, donc on a les petites. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pour aspirer, quoi, en gros. On a le bouton ici, mais forcément ça fonctionne pas parce qu'il n'y a pas les piles. Alors ça, c'est le bouton pour ouvrir. Ok. Je ne sais pas du tout où on met les piles, hein. Je ne sais pas non plus quelle pile il faut. Ça ne se branche pas sous prise. Non, non, il me semble que j'avais entendu dire que c'était avec des piles. Bon, écoutez, de toute façon, ça, c'est. Je vais la tourner juste après la vidéo, je vous la publierai la semaine prochaine, mais là c'est le bouton on-off. Mais du coup, il n'y a pas de pile, donc il faudra que je mette des piles, c'est peut-être écrit là? Non. Ou bien il doit y avoir un truc, à moins que c'est une pile ronde qu'il faut mettre ici. Ah, écoutez, je ne veux pas le casser, je vais essayer de regarder une petite vidéo après ou demander à ma superbe copine Isa, je suis sûre qu'elle va savoir comment on fait. Mais du coup, alors. Attendez, je regarde parce que. Donc, on a un petit plumeau ici. Donc, ça doit être pour nettoyer. Ouais, ok. Pour nettoyer, je pense, l'intérieur ou quand il y a des diamants qui restent bloqués. Plus peut-être l'intérieur. Vous savez ce que je pense que les diamants vont se retrouver ici. Ouais. Donc, on reçoit ce petit plumeau avec. Et en fait, vous allez voir, hein, la vidéo, elle sera bientôt sur ma chaîne. Mais l'aspirateur, il bouge tout seul. Il aspire tout seul. Bon, faut quand même le guider, hein. Si je mets mon aspirateur à 3 mètres, il va pas deviner qu'il faut aller aspirer 3 mètres plus haut les diamants. Mais c'est pratique quand on fait tomber des diamants sur notre table ou même à terre. Bien évidemment, ça ne trie pas les diamants par couleur, rouge avec rouge ou jaune avec jaune. Ce serait trop beau. Mais ça aspire les diamants. Donc c'est pratique. Moi qui suis, comment on appelle ça? Tête en l'air, on va dire. Enfin, je veux dire, je fais souvent des bêtises, la preuve. Bah ça va m'être utile de pouvoir aspirer mes diamants. Voilà, alors, bah écoutez, on a le même ici. Du coup, j'aurais bien aimé avoir le rose, le bleu et le rose. Je ne sais pas ce qui s'est passé du tout. Je ne sais pas, franchement. Et puis, c'est pas une, enfin, c'est une erreur de leur part, mais je veux dire, c'est bien écrit 2-7 ici, 2-7 ici. Je suis en train de me demander si je les ai pas mis x2 dans le panier, mais non, j'aurais dépassé mon budget. Donc non, ça doit être une erreur de leur part. Donc écoutez, je vais leur envoyer un message quand même pour pas avoir de soucis avec eux. Mais si jamais ils me disent de les garder, et bah écoutez, le deuxième aspirateur à diamant, ça sert à rien d'en avoir deux, hein. Je vous le ferai gagner sur ma chaîne. Je vois pas pourquoi vous profiterez pas de cette petite erreur. Donc c'est pas sûr, je vais voir avec eux, peut-être qu'ils vont me le réclamer, mais honnêtement, je ne pense pas. Donc à ce moment-là, je vous ferai gagner le deuxième aspirateur prochainement sur ma chaîne. Là, on a déjà le concours de dimanche qui va pour gagner les deux toiles pour les 500 abonnés. Mais je vous le ferai gagner prochainement. Et bah écoutez, voilà, donc le prix de cet aspirateur, 7,26 €. Hein. Et donc du coup, bah, je vous disais tout à l'heure que deux sacs pour 11,26 € finalement, ça valait le coup. Mais non, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est bien un sac pour 11,26 €.
C'est comme les machines, hein. C'est une machine pour 7,26 €. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous mets les liens des articles dans la description. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. On est déjà jeudi, il me semble. Un bon week-end. Et puis, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!